le parti pris architectural, il est simple. C'est soit on avait suffisamment d'éléments patrimoniaux pour reconstruire le bâtiment historique, soit nous sommes partis dans une direction beaucoup plus contemporaine pour toujours marquer l'écart entre le bâtiment historique et les volumes qui n'existaient pas. Et puis, en termes d'usage, il fallait trouver des usages qui permettent de correspondre à la reconstruction d'un bâtiment historique tel que Molitor et de s'adapter aux besoins des Parisiens et des voyageurs aujourd'hui.